الزول في الأول، السلام عليكم، جيسبر أقليكم بيان. On va parler du projet comme le titre l'indique. Pourquoi Ghantar Yahya, nouveau directeur sportif de l'USMA, va réussir dans son projet? Premièrement, maintenant, l'expérience, le prestige, le palmarès, Igja Ghantar Yahya et l'équipe nationale, dans le football, la carrière en tant que joueur. Donc il n'y a aucun doute que c'est un très très grand nom et quelqu'un de respecté, dont, qui a donné son sang pour l'équipe nationale, pour l'Algérie. Deuxièmement, la formation. C'est un joueur qui a fini sa carrière, qui s'est directement formé. Directement, il va y avoir des diplômes. Directement. Il n'a pas attendu pour avoir des diplômes, pour faire une formation et évoluer dans le domaine du football. Ce qui donne une claque aux anciens joueurs. Parmi eux, Hossein Achio, qui ne s'est pas formé, qui est resté au même stade, qui est parti parler dans les plateaux télé. Au lieu d'aller se former, il va aller plateaux télé. Parce qu'au départ, normalement c'était Hossein Achio qui allait prendre la place de directeur sportif à l'USMA. Ils l'ont annoncé et tout. Mais il n'a pas les diplômes pour occuper le poste. Donc, Serpor, ils ont opté pour les capacités, pour les gens compétents. Oui, ils ont les diplômes pour opter pour prendre le poste. Donc, Ghantar Yahya, c'était le candidat idéal. Deuxième, pourquoi il va réussir dans le projet? Le projet sportif, c'est le même projet que celui de la GSK. C'est-à-dire avoir une équipe jeune, se baser sur la formation, se baser sur la création de jeunes, sur la formation de joueurs et d'entraîneurs à long terme, pendant 3 saisons, avoir une équipe performante. Donc, premièrement, pourquoi il va réussir? Parce qu'il n'aura pas beaucoup de pression. Il n'aura pas la même pression que la GSK, par exemple. Il n'aura pas la même pression. Deuxièmement, il s'entoure de gens compétents. Et troisièmement, il aura les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, il va voir la GSK, il saura les erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de toujours rester sur le même projet. Parle de formation pendant 3 saisons, on reste pour la formation pendant 3 saisons. Mais si la première année ça réussit, on change l'équipe. C'est l'erreur qu'a fait Mellel. Et là, Mellel, il a perdu une année dans son projet. Là où la saison, le recrutement qu'il a fait cette saison, il aurait dû le faire la saison passée. Recruter 6-5 jeunes joueurs. Voilà. Donc, les erreurs, il ne va pas les faire. Il a l'expérience. Et le point le plus important, c'est que maintenant, Ghantar Yahya, on le connaît, c'est quelqu'un de direct, c'est quelqu'un de strict, c'est quelqu'un qui travaille, et c'est quelqu'un qui est longtemps demandé à la fédération. Donc, maintenant, Zachi et Madouar, ils auront Mellel et Ghantar Yahya à l'USMA. Et on attend des gens compétents avec des diplômes au Mouloudia. À Oran, il y a Chérif Louzani. Ça, c'est sûr. Chérif Louzani, parce que le problème du football algérien, c'est la corruption. Et ces gens-là, parlent d'Ghantar Yahya, parlent de Mellel. Ils n'ont pas accepté la corruption. Ghantar Yahya ne va pas l'accepter. Mellel, il nous l'a prouvé qu'il ne l'a pas accepté. Soit sur la première saison, où on a longtemps parlé du match du CSC, soit la saison passée, soit même cette saison. Il y a toujours. Mais quand c'est un seul président qui critique la fédération, à certains moments, il va perdre. Mais si c'est 2, 3, 4, 5 présidents qui sont stricts, ou directeurs sportifs, parce qu'Ghantar Yahya, ça va être lui
Lui, le chef d'orchestre, c'est lui qui va diriger tout, c'est lui qui va prendre les décisions à l'USMA. Ça serait pas quelqu'un d'autre, ça serait ni l'entraîneur, ni les supporters. Donc c'est pour ça il va réussir. Et je suis sûr à 100% qu'il va réussir. C'est évident. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est sérieux. Quand on parle de football national et de crise dans le football national et de crise de corruption, il faut qu'à un certain moment, les anciens joueurs et les anciennes personnes qui ont fait le football, ils viennent et ils s'investissent. Mais si ils critiquent, ils volent, ils corrompent des joueurs, ils corrompent des supporters et ils partent dans les plateaux télé parler. Hein? Ce groupe-là, on le connaît. Avec quelques fourberies, à noter par exemple Mazouzi qui est l'homme au double face mais aux 15 000 faces, le plateau la def, tous ces genres de jeunes joueurs. Maintenant, c'est la nomination de André, c'est une claque mais monumentale. Ça veut dire, c'est tout ce que je voulais dire.